Bonjour à tous, c'est K17 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la Nintendo Switch. Il est actuellement 17h17, le 20 octobre 2016, et ça fait environ 1h20 que Nintendo a officiellement annoncé la Nintendo Switch sur toutes ses chaînes YouTube ainsi que sur tous ses sites internet. Beaucoup de choses qu'on sait déjà sur la Switch dès 16h, mais qui n'étaient pas dans le trailer que beaucoup ont vu, ils n'ont pas forcément fait gaffe au reste. Beaucoup de choses ne sont pas dans le trailer et donc il est important de savoir. Puisque la Nintendo Switch est en effet une console hybride comme Nintendo voulait le faire, qui a visiblement beaucoup de potentiel, quelques points qui paraissent faibles, mais on attend, hein, elle sort en mars 2017. Dans le trailer, on apprend déjà énormément de choses. Déjà, il y a les premières images du prochain Zelda dont je n'ai pas le nom. Tous ceux qui ont déjà vu le trailer, de toute façon, je pense que tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la Switch et ceux qui regarderont sûrement cette vidéo, vont déjà, ont déjà su tout ce qu'il y a dans le trailer, donc pas la peine d'épiloguer là-dessus. Mais il y a des choses très peu visible dans le trailer qu'on va tout de suite mettre en avant. Par exemple, il y a ce moment-là dans l'aéroport où un mec met une carte rouge, une cartouche rouge dans sa console. Alors, il y en a beaucoup qui se sont demandé si ça allait être une carte mémoire ou voilà, dont Farod, hein, j'ai découvert la vidéo dans son live. En fait, c'est une cartouche de jeu. La rumeur sur l'utilisation de cartouches de jeu pour la NX et donc la Switch est donc vraie. Et c'est information qui est passée dans les mailles du filet à la sortie de la vidéo. La Nintendo Switch sera propulsée par un processeur graphique, et un processeur tout court je crois, Nvidia. Donc la partie graphique étant développée par Nvidia, on peut quand même s'attendre à du lourd question puissance. Que beaucoup d'images proviennent du site officiel de Nintendo, Nintendo France, attention, celui sur lequel je m'appuie. Et pour ceux qui ne savent pas comment accéder à cet article, c'est tout simple. En dessous de la grande bannière voir la vidéo, il y a un petit lien article de presse. On clique dessus et on a toutes les informations actuellement publiques sur la Nintendo Switch. Mais c'est une console très prometteuse. Maintenant, les quelques petits points discutables, mais uniquement depuis l'annonce, hein, puisque la console on l'a pas encore dans les mains. Alors, les microcontrôleurs, donc ça peut être une très bonne idée comme une très mauvaise, tout dépend de la face du gameplay des jeux tout simplement. Alors, à savoir que, et ça m'a fait beaucoup rire, quand on va voir par exemple le Twitter de Cyprien, donc @MonsieurDream, on peut apercevoir quelques images, par exemple sa fabrication artisanale des contrôleurs Nintendo Switch. Je pense que question taille, là, il exagère un peu. J'espère qu'ils seront plus grands que ça, quoi. Sinon, une autre illustration, et là, voilà. Les deux contrôleurs sur le Joy-Con, ça ressemble à un chien aux oreilles rabattues. Donc, c'est vrai que la manette en elle-même, elle n'est pas très belle. Mais pour parler de beauté de manette, je crois que Nintendo, faut pas s'attendre à du lourd non plus. Alors, point encore sombre pour l'instant, sur le côté de la console, du dock, il y a deux trous qui ressemblent un peu à des ports HDMI, mais qui pourraient être des ports USB ou d'adaptateur. C'est un peu étrange, je sais pas ce que c'est. Et vu que dans le trailer, la personne est en train d'utiliser la NX, la Switch du coup, je pense pas que ce soit des ports HDMI. Donc c'est peut-être des ports USB, et donc dans ce cas-là ce serait pratique si on pouvait connecter donc les manettes GameCube à la Switch comme sur Wii U grâce à un adaptateur à deux ports. Franchement, je suis désolé, hein, mais j'espère que l'on peut connecter les manettes avec ces deux ports, les manettes GameCube, parce que ça c'était vraiment les meilleurs contrôleurs du monde. Je m'excuse Microsoft. Alors, pour l'instant, ce qu'on ne sait pas, à part la liste des éditeurs tiers que voici, enfin des partenaires surtout, hein, c'est le cas, c'est ceux qui supportent la NX, mais après on ne sait pas s'ils vont tous éditer des jeux pour la NX parmi les éditeurs de la liste. Mais je parle encore de la NX, alors maintenant on sait très bien que c'est la Nintendo Switch. Il y a encore quelques
beaucoup de points qu'on ne connaît pas. Par exemple, le prix des jeux qui sortiront sur cartouche. En attendant, donc j'espère que les comptes Nintendo Network fonctionneront sur cette console et je pense qu'elle a énormément de potentiel. Donc, on va voir tout ça prochainement. À savoir, si on est sur les vidéos qui arrivent, le stream sur Eyes The Horror Games est prévu. La suite de FNAF GZ Doom est prévue également. Je n'ai ni le temps de faire le live et l'enregistrement de FNAF GZ Doom avec Akari Fox pour l'instant. Mais sachez que la prochaine vidéo, l'épisode 11 de FNAF GZ Doom, sera avec Fox the Man, le grand retour de notre cher Fox. Le dernier épisode de FNAF GZ Doom étant le 10 You Are a Pirate. Hein. Je vous laisse voir la vidéo pour savoir pourquoi le titre c'est You Are a Pirate. Moi je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye tout le monde.